Et salut à tous, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Et bah suite de l'épopée, on vient de terminer le premier donjon de cette nouvelle extension. Et du coup, ok, on était juste sorti, on avait vu la cinématique de sortie, et là du coup, on enchaîne. Et pour information, j'ai trouvé comment récupérer les voix. Effectivement, je me disais, c'est bizarre, y a pas de voix dans le jeu depuis le début de cette extension. Il semblerait que la dernière fois que j'ai rebooté mon PC, Windows a décidé de changer la fréquence de sortie de mes haut-parleurs. Et ce qui faisait que ça supprimait les voix. Merci Windows. Donc, prochaine cinématique, s'il y a des voix, ce sera parfait. Allons-y. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors on n'est pas la nuit. Forcément, il fait pas nuit. Mais si on était la nuit, il ferait nuit. Et voilà, on n'avait même pas fini la quête première, oh là là. Non, c'était pour vous épargner une vidéo qui dure 2 heures. Yes. Ah, il y a un truc adjuration. Qu'est-ce que c'est que ça? Du menu mission. Mission. Adjuration. Ah, ok. Ok, donc c'est là qu'on se les refait en solo. Un jour, on ira là-dessus. Histoire de trop tester l'exarque qui peut faire tout et n'importe quoi. Ça peut être mort. Mais ce sera un autre jour, on n'a pas le temps. Et bah allez. Faites qu'il y ait les voix, qu'on les entende. Ah, dommage. Qu'est-ce qui nous attend? Bah oui, bonne question. Tuer les grands adjurateurs de chaque zone? Enfin, pas les adjurateurs. Enfin, c'est, je confonds les termes. Carrier des ténèbres. Ok. Pourquoi? Pourquoi il serait dans un état de confusion? Je comprends pas. Ah, juste pour être sûr que personne, entre guillemets, vienne nous faire chier? Pourquoi pas? Énigmatique. Purgateur, voilà, c'est le terme que je cherchais. Oh là là. Ok, juste posez pas de questions, tout est normal, tout va bien. Comme d'hab, dès qu'on fait le moins de trucs, faut se reposer. Oh là là. Moi je vais enchaîner, hein. Je vais savoir l'histoire à la suite. Ok. C'est jouable. Mais sans trop se presser. Hello Queen Ours, tout à fait, il est très bien ce jeu. Moi je kiffe.
Ok, on va te laisser tranquille. Oh là là. Lisez, hein. Eh, pas toujours sympa, hein. Eh ben allons-y. Allons prévenir tout le monde que on nous emmenons tous les blessés au Crystarium. Ah bah non, en fait, même pas, on va direct au Crystarium. Tu nous dis de prendre notre temps, de prévenir tout le monde sur le chemin, mais bon, finalement, pas besoin. Nice, moi ça me va. Hein. On gagne du temps. Alors, dis-moi que c'est dehors et que c'est pas en haut. Yes, Alfino, il est là. Pas aussi paisible. Bon. Allez, hein. Ah ok, il faut quand même aller prévenir. On a trop de compères. Braggy. Alors Braggy, trop compliqué. Je me téléporte au marché. Non, on va faire un tout droit. On va être aussi rapide, je pense. Yeah, j'ai encore utilisé ma super potion. Vraiment que ça. Ça, faut que je le mette ailleurs. Je pense que je peux le mettre là maintenant. Ah bah non, t'es pas d'accord. Là, voilà. Juste que j'ai rien en dessous mon sprint, vu que je clique à côté tout le temps, on sera bien. Allez, Braggy. Ah, je cherche pas une lanterne. Ah bah oui, du coup, ouais, tout le monde cherche une lanterne. Je suis plus habitué à être la nuit, du coup. Forcément, ils sont obligés de redécouvrir. Ah, c'est marrant. Yes, merci beaucoup, moi. Ok. Bah, on va voir. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont me proposer à faire? Une question Moi, je veux tuer les purgateurs, remettre la nuit partout, sauver le monde, qui sauvera mon monde au passage. Tout est raisonnable. Hein. C'est pas la musique des super combats de l'histoire ou de la super intrigue, ça. Qu'est-ce que c'est? Tableau de chasse? Normalement, j'ai déjà débloqué, c'est pas ici. Pas non plus les quêtes. Non. On voit pas. Un service. Alors, moi aussi parce qu'il fait chaud, mais pas non plus. Puis ça reste de l'eau. La guerrière. Ah, quand même, hein, bon. Pas trop une tête. Yes, je sors de prime. On connaît, on en a fait, hein, cette extension précédente, mais. Le tableau de chasse. C'est ce que je veux faire aussi.
Gna gna gna, conseil autonome. Chasseur de primes. Ok, on va se faire une mission de chasse de primes. Plus fort, les quatre apôtres. Ah, donc on n'a pas tué un des plus gros non plus. Alors c'est quoi? C'est des fêtes spéciales? Yes. Ah. Donc allons voir si elle est là. Expert en soins, ça c'est moi. Là je fais ça. Après le reste, ça va être compliqué, hein. Ah, c'est donc ça les quêtes de rôle, ok. Ah, et c'est donc celle-là qu'on est obligé de faire. Alors, c'est au moins une de ces séries de quêtes, ok. Et bah, allons-y, ce sera le thème. Vidéo. C'est moi où il a changé de prénom. Ah non, ok, si elle là c'est celle qui parlait. Ah bah ouais. Et bah Giotte. Et bah allons-y. Autant. Vu que de toute façon on va devoir au moins faire une. Pour avancer dans l'épopée un moment ou un autre. Du coup. Allons-y maintenant. Hein. Ça c'est fait. Laliho. Bah, laliho. Je l'ai fait. Je vais dans le jeu aussi. Yes. Tout à fait. Je suis nouveau. Très bien. Mais bien sûr. Super. Il met à l'épreuve. Oh, mais ça va, hein. La forêt égarée, à l'ouest de Crystarium. Effectivement, je suis pas sûr qu'on y soit déjà allé dans cette zone. Eh ben si. C'est bien fait de m'harmoniser. Toujours s'harmoniser partout où vous pouvez. C'est tellement important. Une tellement en même temps. Alors. Cher ami, prenons la route par ici. Attendant, au fait de la zone actuelle, il y en a un petit paquet. Hein. Aléa, s'harmoniser avec tous les vents éternels. Effectivement, et toute la carte. Ok. C'est assez simple. Ah, celui à 85%, il est pas du tout sur mon chemin. Beaucoup trop loin installé à là. Ah. Il y en a un qui s'est perdu au milieu de la route. Nura. Ah, il est là-bas, mon compagnon.
Alors, Jyot, où va-t-on? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Croupignouf! Genre le monstre le comprend s'il a quand même. Tu peux insulter tous les noms possibles, hein. Et apparemment, la provocation a marché. Ok. C'est donc lui qui va m'aider à. Abattez-le avant qu'il n'achève. Ouais. Alors, on était d'accord qu'il demandait quelqu'un qui était capable de faire du soin. Mon but étant d'achever un monstre, je. Ok. Y a pas de temps non plus à la mission. C'est étonnant. On va l'attaquer, hein. Il fait pas là-haut au sol, il fait rien de spécial en plus. Et bah voilà. Ok. Après, s'il perd contre ça. Qu'est-ce que ça a donné contre le purgateur? J'ai peur. Je pense que du coup, en heal, on pourrait presque faire toutes les missions. Je crois que j'essaye hein, de. Tricher un petit peu quand même d'essayer d'aller faire les autres missions. Hein. Ok. Du coup là par contre ça vaut le coup sûrement de se re-téléporter au pendant derrière. Je pense. Moi ça va être 18 minutes de vidéo. On a encore le temps d'avancer. Les pendants, on a dit. Allez. Après, dans une zone de duel triple triade. Ah non, les autres, je peux pas les faire. Est-ce que j'ai pas la bonne classe? Ou est-ce que c'est parce que j'en ai une autre? Ah ouais, effectivement. Ah. Ah, ils ont sacrément sécurisé le truc. Alors j'ai un DPS distant avec mon invocateur, du coup. Je suis érudit, forcément l'invocateur. Le reste, plus compliqué. Moi, je veux tout découvrir, toutes les histoires. Faire monter des persos. Ouais, la clé, c'est moi qui l'ai donnée. Hein. Voilà, c'est talent, courage et robustesse, tout va bien. Moi je souhaite. Génial. On va faire une bonne équipe, hein, ça se sent. Petit grand pêcheur. Sophrosine, ok. L'as des as. Des nains. Putain, si c'est lui, on est mal barré. Hein. Ok.
Une incroyable capacité de régénération. Ah oui, effectivement, s'il y a soin les autres purgateurs, c'est pas cool. Ah si, si elle soigne les purgateurs, elle est quand même pas cool. Enfin, je vois pas la deuxième réponse, c'est quand même un peu trop courte. Ok, donc dans ce monde-là, les nains gardent tout le temps le casque, comme lui. Tout c'est leur règle en fait, c'est parce qu'ils sont moches, ou qu'ils ont des têtes bizarres. C'est coquet. Yes, allez, soigne-toi la bière et puis moi je vais bosser. Nice. Alors je sais pas si pour l'épopée on doit la faire entièrement ou pas. C'est assez étonnant. Ah non, ok. D'accord, donc c'est vraiment au fur et à mesure. Bah, du coup, on la fera quand on devra la faire. Parce qu'à chaque fois on doit la faire un niveau par un niveau. Ça va être quand même vachement entrecoupé. Autant essayer de tout faire d'un coup à la fin. On sera 79 ou 80, à voir quand est-ce qu'on aura réellement besoin de le faire. Puis on s'amusera à ce moment-là. Hein. Alors, du coup, retour à l'histoire principale, cher intendant. Ah oui, c'est vrai qu'on devait aller dormir. Parce que... très fatigué. Ah, la bonne petite blague à la lumière des événements. Allez. Ouais, hein. Laisse-moi aller dormir. Arrête tes blagues pas top. Chaque chose en son temps. Oh, j'ai une histoire à faire avancer. Ah, mais du coup, on va voir le vrai guerrier des ténèbres. En tout cas, l'originel qu'on a vu à Evensward. Nice, la nuit, avec les étoiles. Ça y est, c'est vous maintenant les guerriers des ténèbres. Quelle ironie. Il y a les voix, on entend les voix, ça y est. Les deux choix étaient pas top là. Je t'avais pourtant prévenu. Je t'ai observé. Et je n'ai pas raté une miette de ta victoire sur le grand purgateur, évidemment. Dis, ces jumeaux aux cheveux argentés, ils étaient déjà là quand nous avons combattu dans le monde primitif, pas vrai? Vous devez faire équipe depuis un certain temps maintenant. Des compagnons fidèles, hein? Tu dois les protéger coûte que coûte. C'est quand on se lance à corps perdu dans une cause qu'on risque le plus de perdre ce qui nous est précieux. Tu en as déjà fait l'expérience, n'est-ce pas? Je me demande ce que tu pourras sauver et ce qu'il te faudra sacrifier cette fois. Je n'ai même plus le cœur à me lamenter. Après toutes ces années d'errance, je me sens là. La perte de mes camarades, les idéaux que nous avons défendus, il y a bien longtemps que ça me laisse froid. C'est à ça que ressemble vraiment le ciel. La nuit. Bah oui.
le seul moyen. Est-ce que ça serait pas quelqu'un qu'on connaîtrait déjà? Qui est parti dans le premier monde depuis très longtemps quand même. Si, c'est forcément elle. Comment on peut imaginer que ce soit quelqu'un d'autre? Allez, me revoilà. Ah non. Peut-être que je vais redisparaître. Déploiement d'urgence. Capturez l'intrus immédiatement. Un intrus chez Garleman? Oh, Estinien! Ça suffit. Ouais. C'est un de mes hommes, pas un soldat Garleman Day. Oh, si les deux s'associent, ça va être sacrément violent, ça. Je me demandais comment nous avions été repérés, mais ce n'est pas nous qui le cherchaient, en fait. Je reconnais cette armure et cette lance. Tu es Estinien, le chevalier dragon. C'est toi qui as sauvé le héros des Orzea sur le champ de bataille, pas vrai? Bah oui, c'est mon copain. Allez, tiens, je joue le typique dans la gueule. Ces informations des héritiers de la 7e onde. Sauf que je ne leur ai rien demandé. On est venu me trouver pour m'expliquer la situation et je me suis retrouvé impliqué malgré moi. Je me demande encore comment cette crise a su pister mon énergie éthérée. Quant à la petite réceptionniste, elle a sûrement une carrière d'espionne derrière elle. Ah bah ta tarue est efficace, hein, pas déconner. Hein. Elle est pas là pour. Ils ont toujours cette mauvaise habitude d'aller demander de l'aide au moindre problème. Et notre fameux héros, que devient-il? En voyage, à ce qu'il paraît. Et c'est ce qui me vaut cette petite visite ici. Détruire la dernière arme de l'Empire. Si tu veux parler de la Rose Noire, tu t'es déplacé pour rien. Mes hommes et moi venons tout juste de nous en charger. Ah, bravo. Cette usine n'est pas la seule. Les impériaux sont devenus méfiants et ils ont étalé la production sur plusieurs sites. C'est de la folie. La victoire apporte-t-elle au point d'utiliser une arme aussi cruelle? À quoi bon? Il va le gagner. Quel genre d'arme est cette rose noire exactement? Certains la qualifient de chimique, mais en essence, il s'agit plutôt d'une arme magique. La rose noire est capable d'arrêter la circulation de l'énergie qui parcourt le corps de tout être vivant, l'éther. Ah! Effectivement, c'est. Yes. Sur une cité, cette arme exterminerait la population en un instant et sans endommager le reste. Alors, vous ne l'avez toujours pas trouvé? Appelez les renforts. Ah, plus le temps de discuter. Un instant, chevalier dragon. J'ai une proposition à te faire par égard à un ami commun. Rejoins-nous. Nous poursuivons tous les deux des intérêts similaires. Que dirais-tu de nous associer? Ah, c'est ça, oui. Tu crois vraiment que je vais faire équipe avec l'ancien général de la 14e Légion pour attaquer Garleman? Stinien, il s'associe à personne. L'empereur lui-même a avoué que cette nation avait été créée par les Assiens. Et tu veux que je te fasse confiance? Oui.
Paris a fait cette révélation pour le moins inattendue lors de sa rencontre avec les dirigeantes. Mais c'est justement pour ça que je veux découvrir la vérité. Et il n'y a qu'un endroit où nous pourrons la trouver. Au palais impérial de Carloman. Oui, ça va bien se passer. Ça peut que bien se passer d'aller au palais. Tous des amis au palais. Alors, pourquoi je dis pour faire un mini truc. Système, je sens que les voix sont un chouïa plus hautes. Trop de par rapport à la musique. Yes. Bonjour. Je suis à niveau 72. Ah. Ah, léger problème technique. Et bah du coup... On va aller faire des allers. Hein. Oh là là, ça va être chiant pour vous. Ah, déjà que les vidéos de base... Au gros là qu'on en a pas fait, ça peut être intéressant. On a fait cette mission, on en a fait un petit peu. Mais du coup autant faire celle du grand lac. On va traverser et puis on va tenter de se synchroniser à droite à gauche. On gagnera du temps. Ah, je pensais pas que ça allait être aussi vite en termes de timing de... Oh là, 90%. Oh, la déception ultime quoi. Il y en a pas beaucoup ici. Non, on va arriver, ça va être fini. En 16%. Voilà. Yes, c'est génial. Alors, un devrait repop, mais à 0%. Ah, c'est pas la zone avec le plus d'aléas. Hein. C'est loin. Peut-être aller dans une autre zone. Allez, cours! Tu peux le faire. Sauf si une espèce de corniche qui t'en empêche. Mais... Oh non, elle est là-haut. Ah, moi, je vais faire celle-là. Ça, je m'harmonise ici. C'est un gain de temps futur. Allez, on peut le faire. C'est qu'un détail. Plus à l'autre bout de la map, bon. Ça va quoi. De toute façon, juste explorer des zones, je vais gagner de l'XP. Là, pas longtemps, avoir 50 000 XP gagné. Voilà, 54 000 XP. Direction de l'aléa, 14%. Oh non! Oh, si ça meurt avant que j'arrive, alors que je me fais chier traverser la map complète, 26%. Non, mais faut au moins que je mette un coup, deux coups, trois coups, quoi. Quitte à pas avoir toute l'XP, mais au moins un minimum. Mais ça, parce que je pense que ceux qui étaient là, ils sont TP là, ils ont fait ça. Pour 26%. 26. J'ai l'impression qu'il... 29. Ah, ça va. Je vais arriver. On y est, on y est. Allez, dès que je vois les mobs, là. Ok, descente de monture, AOE. Ah, ça a l'air d'être qu'un seul mob en plus. Non, il y en a plein. Yes. On y va. Ok, AOE dans le tas. Ça se passe. Ok, je vais avoir pas mal d'XP.
Ah. Salut Lucario. Je suis sur Moogle. FF14, si jamais tu regardes chez d'autres personnes, c'est marqué tout en haut à droite de l'écran. Je peux pas le montrer parce que ma main va pas jusque là-bas, mais... Donc du coup, sur Chaos, parce que j'ai toujours été... En tout cas, la majorité des personnes que je connais sont sur Chaos. Et du coup, bah... J'y suis resté, c'est aussi Moogle, mon serveur de cœur, parce que c'était déjà le serveur que j'ai, sur lequel j'étais avant... avant je vais mourir. Avant Realm Reborn, donc pour moi c'est... Voilà. Petit serveur de cœur. Mais c'est clairement pas la bonne zone pour les aléas, clairement. Il y en a que deux aléas grand max qui se battent en duel. Ça va clairement pas être cool si on reste ici. Donc on va aller voir les autres zones. Ah effectivement on est d'accord. Hein. Le split des serveurs a quand même pas aidé en tout cas la commu française. Je pense qu'elle est bien divisée. Comparé à peut-être d'autres communautés, ou genre communauté allemande qui est énormément sur Light. En tout cas, enfin, quelques connaissances que j'ai croisées en jeu avant, en tout cas, avaient l'air de tous partir sur Light. Chez nous en France, bon, ça va être assez un peu éparpillé entre Light et KO, mais. Peut-être qu'un jour ils feront des moyens pour qu'on se rejoigne. Allez, allons voir à tous. Douce et onde. Allez, un petit aléa avant de finir cette vidéo. Pour toi, YouTube. Et bah. Voilà. Très beaux aléas. Adem, je t'ai persuadé que j'en avais fait dans cette zone-là. Où j'en ai fait? C'est l'enfer. Ici. Ah oui, c'est ici que j'en ai fait. Tout à fait. Entre les deux zones, à chaque fois, j'en voyais plein. Quand on sert de la zone des aléas 70-71. Bah non plus. C'est quoi ce bordel? Et comme de par hasard, où tu veux en faire, il n'y a rien. On n'a pas. Et là, j'ai même pas de quête. Bon, et bah, je pense qu'on va faire... On va arrêter là pour YouTube, on va arrêter de se TP dans tous les sens. Et je vais faire en off une prochaine vidéo YouTube, je serai direct 72, on ira faire l'épopée direct. Mais au moins, pour l'enregistrement, on va s'arrêter là. Je vous dis merci à tous, ciao, bye bye.